Bienvenue sur la chaîne de MoyenDub, c'est parti pour une nouvelle vidéo Fortnite sauver le monde. Du coup les gars, voilà, je me retrouve pour la suite de sauver le monde. Du coup vous avez pu voir dans la vidéo précédente, j'ai acheté sauver le monde. Et on a fait la première mission, on a fait un back opening. On va pas dire petit parce qu'il était quand même grand. Et après il fallait que je fasse une mise à jour. Et j'avais dit que pour la prochaine fois, donc je ferai la vidéo après la mise à jour. Donc aujourd'hui les gars, on va faire la suite du mode sauver le monde. Voilà, j'espère que vous êtes chaud. On va partir pour jouer. Normalement là ça devait jouer, j'ai déjà fait la mise à jour. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de nouvelles mises à jour sur le mode. Normalement il n'y en a pas encore. Lancement du bouclier, accès au salon, voilà. Ils sont en train de faire le matchmaking. Vraiment je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai mini top à côté de moi parce qu'il a déjà acheté sauver le monde et tout. Voilà voilà. Donc on dirait on est à la saison 4. Tu dois lancer. Ah y'a mes emotes ici. Ah oui. Waouh. Ah et là on pouvait inviter les personnes. Oh mais c'est trop bien. Mais tu peux même inviter avant, je pense. Je suis pas sûr. Mais les gars, c'est trop bien alors. Bon là c'est dommage parce que Minitov ne joue pas, il a déjà fait la mission, mais la prochaine fois on les fera ensemble sûrement. J'espère. Bon, il y en a une qui est très difficile. À ce qui paraît, après il y en a une qui est très très difficile, alors on verra ça dès qu'on va arriver à son niveau. Ah bah j'ai fait un peu 2 heures pour... j'ai même pas réussi. Ok. Ok, alors ça va vraiment vraiment lentement aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est parce que c'est sauver le monde, ça va lentement. Ah ok. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, c'est incroyable, il y a encore des gens en vie et nous pouvons les sauver. Pouvoir les sauver. Nous devons le faire. Par où commencer? Oh, je comprends. Moi aussi je suis à la recherche de quelqu'un et... Je sais. Puisqu'il y a la tempête et les monstres, et si nous unissons nos forces, nous pourrons sauver les gens. Qu'en dites-vous? Ils sont trop rapides, on ne va pas y arriver. Il nous faut de l'aide. C'est le signal, commandant. Pop, descends préparer le bouclier de l'avant-poste. Ok. Mais si, ça ira. Allez, Host. Restez derrière moi. Wow. Plus vite le bouclier, Pop! Mais non, il y a le temps! C'est juste une horde de monstres! Ok, ça crée un bouclier autour. Merci de nous avoir guidé, commandant. Bienvenue à tous. Vous êtes maintenant protégés par un bouclier anti-tempête temporaire. Mais je crois savoir comment largement améliorer cette petite base. En améliorant et en protégeant ce bouclier anti-tempête, nous pourrons mettre tous ceux que vous sauvez à l'abri de la tempête. Ok, alors moi je suis bouclier. Et c'est là que vos talents de constructeur entrent en jeu. Vous êtes un bricoleur de génie. Comme Gustave Eiffel ou Bob. Alors au travail. Allez activer le bouclier anti-tempête. Tu dois l'activer. Ah c'est ça. Ouais. Activer, ok. L'objectif est de protéger le bouclier anti-tempête contre tout type d'attaque. Voilà ce que vous pouvez construire. Oh. Mais nous n'avons pas encore les ressources pour ça. Alors, voici ce que vous pourrez construire pour l'instant. C'est déjà bien. Commençons par les fondamentaux. Impossible de construire sans ressources. Je vais vous en envoyer. Bah alors, elle aurait pu nous envoyer assez de ressources. Construisons des défenses autour du bouclier anti-tempête. D'abord des murs. Il y a du bois, de la pierre et du métal. Alors les murs d'abord. Ouais, on va faire en métal.
Les gars, j'avais oublié de régler mes touches. Donc vraiment désolé si j'ai un peu lentement. Je lâche. Ajoutez une porte. Edit. Ah, je dis. Je direct edit. On va juste modifier. Ensuite, ça. Vous devriez construire des sols et des plafonds. Ici aussi, mec, je dois construire. Ouais, des sols. Ah, là, je pourrais construire en quoi? Ben, en bois. Bon travail. Nous pourrions placer quelques pièges. Placer des pièges au sol, au plafond et au mur. Pas possible. Non. Ah, voilà, je comprenais pas, les gars. Voilà pour les bases. Maintenant, terminons la construction. Voici ce que vous devez fabriquer. Construire des murs bas peut ralentir l'ennemi tout en vous permettant de tirer au-dessus. Désélectionnez les deux rangées du haut et gardez les trois panneaux du bas. Oh là, n'oubliez pas d'activer la pièce que vous aviez enlevée pour faire la porte. Ah ouais, j'ai directement édité. Bon, on va faire en bois. Voilà, on va tout faire en bois. On va confirmer. Ouais, parce que c'est normal, ça sert pas à grand chose. Bon, petite précision. J'ai cassé la frappe aérienne. Non. Je l'ai peut-être un peu cassée sur une montagne, mais passons. Donc, pour l'instant, il faudra s'en tenir aux grenades. Voici une cible pour vous. Essayez de lancer une grenade sur la cible. Impossible. Attrape ça. Oh. C'est là-bas. Presque. Essayez encore. Ouais, mais je suis vraiment bête. Essayez encore. Vous allez y arriver. Bon travail. Nous sommes prêts à défendre. Si vos murs subissent des dégâts pendant l'assaut, vous pouvez les réparer à condition d'avoir assez de matériaux requis. Vous devriez peut-être fabriquer quelques munitions. Mais après ça, tout sera prêt. Pour lancer le combat, sélectionnez étendre le bouclier sur la console du bouclier anti-tempête. Ok, active le bouclier pour défendre. Alors ça, je dois aller, je pense, dedans. Et c'est où? Ah voilà, ici. Étendre le bouclier. Éteindre le bouclier pour augmenter et pour affronter la... Tu dois juste faire éteindre le bouclier. Attendre de l'aide, alors on va éteindre le bouclier. La puissance du bouclier augmente. Comme prévu, les boucliers sont devenus un peu mous. Voyons si la tempête le remarque. Je crois que oui. À vous de jouer, commandant. Défendez vos défenses. Ok, alors, pitcher. Cool. Alors, défendre le bouclier anti-tempête. Je pense que t'as rien besoin de faire, toi. Bon. Bah ouais, c'est le piège qui t'a placé. Ceux-là, ils font quoi? Ça, je pense qu'ils électriques. Je sais pas. Et ça vient de derrière aussi? Non. Ah bah c'est ici. Bah c'est ici avec tous les pièges que t'as placés surtout. Oh ben les gars, on va c'est par là. Sauf pour lui. Nous on s'amuse, on fouille hein. Wow. PV venu de garder les PO au-dessus. Ok.
Oh là, pour l'instant, là, rien de spécial. Défendre encore pendant 1 minute et 15 secondes. Comment, j'ai rien à faire là, les gars. Vous assurez? Défendez le fort, le bouclier sera bientôt activé. Wow. Et si tu es le plus de zombies en fait, tu vas gagner plus de level. Ok, alors Minitom m'a dit faut faire plus de tuer plus de zombies du coup. Ok, on va en faire. Bien joué. Ok, bien joué, on a gagné, victoire, GG. Ok, score, victoire, bouclier. Donc là je sais vraiment pas ce que c'est, j'ai mis top pour m'aider pour l'instant, parce qu'il connaît un peu plus que moi pour l'instant. Pour l'instant. Donc est-ce qu'on va monter? Yes, prime quotidienne, total d'XP gagné 61 400. Continuez. Quoi? Ah, je pense pas beaucoup. J'étais aussi jusqu'à là. Le code de transfert sur l'écran de jouer. Ok, cool. Bon bah on va retourner à la base, voilà, pas mal. Deuxième mission. J'ai petit kit de soins pour les survivants là. Donc on aura sûrement le coffre à ouvrir, butin de niveau 3. Voilà, voilà, voilà. Ok, alors on a déjà ce XP qu'on connaît déjà. Mini lama, récompense obtenue, votre lama gratuite dans la boutique d'objets. Ok. Défense de bouclier, base 1. On a 100 V-Bucks. On a vous recevé. Alors, quel constructeur de balles? On a affecté ce suivant. À une section pour augmenter la puissance de la section et gagner des bonus de forme des. Ok, on s'en fiche un peu, les gars. Affecter ce. Ok, je pense que c'est la même chose. Récompense de l'édition standard. Ok. On a. Un sac. On a un deuxième sac batailleur. On a un skin. Alors, je sais pas si. Ah non, ces skins, on peut les avoir. Minitop, il m'avait dit qu'on pourrait avoir les skins en Battle Royale. Alors là, normalement, on aurait pu les avoir sans se rendre en mode standard, mais j'aurais dû alors acheter le mode standard. Non. Non, je rigole. Ok, ben on a le skin. Chef de l'équipe rose, encore un skin. Un planeur, sillage bestial. On a la pioche éclat rose, qui est vachement stylée. On a récompense quotidienne de fondateur. Recevez chaque jour des récompenses supplémentaires. On a encore le planeur rose, encore une pioche sadique. On a planeur de fondateur. On a Takahu. Ça, tu l'as déjà. Takahu, là, je sais pas quoi. Tu l'as déjà. Alors là, ça, j'ai déjà, alors c'est bon. Ok. On a bannière de la base, bannière de la base. Ok, on a des bannières. Donc, on va récupérer tout ça. Approchez. Ah. Bon, n'en parlez surtout pas aux autres. Mais puisque vous nous aidez à sauver le monde depuis le tout début, on a un petit quelque chose pour vous. Profitez-en bien. Du coup, récompense de l'édition spéciale, du coup. Alors, l'édition spéciale, c'est ce que j'ai acheté. On avait deux offres. En 5 jetons de la main améliorée. Voilà, en vrai, j'avance. On a la mercenaire. On a Genesis survivaliste. On a la pénifonceuse. On a quel constructeur de base. Quel ninja agile. On a Sarah assassin. On a AC électro spécialiste. On a Jess prospectrice.
Voilà, l'emplacement arsenal pieux de sol rétractable, excusez-moi. On a air bleu, fulgurant cuir, lame obscur cuivre, révolteur de fondateur. Ok, on va avoir un mirage à lunettes, du coup, carabine avec truc de lunettes. Ok, on a les bannières, les armes. Donc les gars, j'avance parce que, voilà. C'est qui sont en groupe de reconnaissance. Dévoile les deux premiers emplacements de groupe de reconnaissance. Continuez. Maintenant, je peux aller dans boutique, tout ça. Ah, on peut aller? Ouais, maintenant. Carte, donc voilà. Bienvenue dans le centre de commandement de la base. Continuez. Ça, c'est pas intéressant. De nouvelles fonctions seront accessibles au fur et à mesure de votre progrès. Pour commencer, de nombreux désignes pour votre puissance. Ok. Votre puissance influence votre efficacité au combat. Plus elle est élevée, plus vous pouvez accomplir de missions difficiles. Ok. À votre niveau de compte. Ok. Donc on va aller vite sur Arsenal là. On va avancer. J'ai envie d'aller voir le Arsenal. On a les schémas, donc on va tout voir. Voilà. C'est quoi? Mais ça c'est rien. C'est nul un peu. Une boutique, va dans boutique d'objets, c'est mieux. Voilà, tout ça comme ressources. Va dans boutique d'objets. Alors, boutique d'objets. Qu'est-ce qu'on voit dans le lama? T'as des lamas? Waouh! Alors, rayon. Je suis le seul à me sentir transparent. Ok, je suis le seul à moi. Ok, bah voilà, les gars, on va se faire plaisir. On va acheter. On a un lama gratuit. Oh, c'est de ça que je suis fou. Wow. Acheter. Ça coûte rien. Non, pas ça, je pense, ça coûte. Ouais. Bon, faites semblant d'être surpris. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ok, bon, on va acheter, j'ai écouté les petits bruits. Ah, je vais me prendre un râteau. Oh là là. Je vais me prendre un râteau. Oh, voilà, c'est un changement bienvenu. Arrête de spoil. Je rigolais. Des bonbons. Voilà, c'est tout. Quoi? C'est tout ce que t'as débloqué. Quoi? Toi, t'as débloqué la même chose. Non, c'est pas tout ce que t'as débloqué, mais c'est tout ce que tu... En fait, si t'as, par exemple, cette arme-là, électrocuteur, truc, ben tu dois avoir assez de construction, assez de tout ce qu'il demande pour la construire. Sinon, je peux pas... Ah, toi, t'avais eu la faucheuse ici. Ouais. Oh, chance. Donc, on a Emma, Matt, Nolan. On a... Oh! Bois 1. C'est une pioche qu'on a. Ok. Donc, je sais pas ce que ça sert à quoi pour l'instant, les gars. Bah, ça veut dire que je vais avoir tadam, des super pouvoirs. On va acheter. Oh, sympa la fourche. Ah, j'ai trop les petits bruits. Voilà, c'est pas bon. C'est pour vous. On a là. Je vois pas son nom. Ah, bah, ok, sûrement. Voilà, on s'en fiche un peu. Pour l'instant, les gars, je connais vraiment rien. Je suis classé X, comme dans rayon X. Donc, on va laisser ses lamas, on va voir... Rien, les rayons X, hein. Ah, plus vite. Ah, on a trois lamas. Bah, pour l'instant, les gars, on va pas ouvrir, on va laisser pour une prochaine vidéo. Là, c'est la boutique pour acheter les V-Bucks, comme d'habitude. On a, la boutique d'objets pour acheter les lamas et tout. Là, j'ai quelques lamas qui m'attendent. Putain, objets, il y a des trucs que j'ai pas vu. Ah, c'est quoi ça? Ah ok, bah ça c'est toutes les musiques que j'ai aussi normalement. Ok. Là on a les ressources, du coup voilà les ressources. Donc en vrai là pour l'instant ça me sert à rien tout ça. Bah si ça tu veux mettre que ça... que pour montrer que si t'as assez de matériaux tu peux. Ah bah comment je fais? Ajoute les favoris. Et on va aussi prendre la R, lance-roquet. Mais lance-roquet moi j'avais direct. Moi, toi, t'es un chanceux. Voilà, bon. Là, pour l'instant, ça suffit, je pense. On va faire le retour. Commandement. Ok, là, je m'en fiche un peu. Donc, là, on peut faire la prochaine mission. Ouais. Ok. Alors, la récompense, on aura 200 missions balles normales. On a un schéma de mur à fléchette, marquage de points faibles et fusil de cuivre auto. C'est simple aussi. Ok, ben, minute up, c'est simple. Bon, on va partir. Donc, pour la prochaine mission. Alors là, on doit sélectionner. Je dois faire quoi? Tu dois juste sélectionner, tu vois plus. Faut prendre celle-là ou celle-là? Celle-là, Celle-là? Non, celle-là. Celle-là? Non, l'autre! Ah. Je connais pas, mais...
Parce que l'autre t'as déjà pris. Ah, ok, ok. Tu repars sur la même. Ah, ok. Ok, ok. Je connais pas, hein. Prends une tape. Alors, on va lancer directement le jeu. Ouais, pourquoi ça veut pas lancer? Ouais, voilà, c'est bon. Donc, je suis en train de lancer. Ok, ok, ben pour l'instant ça fait. Bon, les chargements ici, ce qui est énervant, c'est un peu long. Ok, alors Minitop il nous dit déjà parce que c'est lent, alors ok. Elle te recommande pas la mission? Ça dépend, si fort ou si t'es nul. Non, mais normalement, toi tu l'as fait en combien de temps? Maximum 5. L'avenir de l'humanité repose désormais maximum. Sur vous, moi et un type du service technique. Okay. Qui d'ailleurs n'est peut-être plus des nôtres. J'ai marqué son dernier emplacement sur votre carte. Allons-y, espérons que le pire ne s'est pas produit. Je connais tout, du coup je vais vite faire te dire pour que ça aille plus vite. Après. Allez au laboratoire, du coup on va prendre un peu de construire. C'est ça, t'en as beaucoup. J'aime bien prendre la construire. Mais là c'est un trop long plan. Il te donnera des trucs pour demain. Ok. Des loot. Va. Bon, on va se dépêcher les gars. Il m'attaque. Tu le sauves déjà. Les voilà. Comment je fais? Tu dois tuer les gens. Faites avancer la ligne. On dirait dans la série Walking Dead les gars, je sais pas si vous connaissez. Ça va être Michel. J'ai faim, on veut aussi casser les trucs. Va vers lui maintenant si tu peux ou pas. Il a combien de PV? Personne ne voudra le croire. Merci, commandant. Oh, ben, merci. Vas-y. C'est dedans? Ouais. On ça ne m'inspire pas confiance. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Tu gaspilles des coups d'épée ici. Ouh, ça m'inspire de moins en moins confiance. Mais avec la pioche. Jetons un petit coup d'œil. Oh. Avec la pioche ici, tu prends la pioche et tu casses. Là, tu gaspilles ton épée. Mais c'est pas des mines. Bien joué. Mais après, tu pourras plus frapper. Explorons. On dirait qu'il a été abandonné. Oh. Hey, moi je fouille tous les trucs, hein. Un labo de recherche secret. Enfin. Hein? C'est de l'équipement Vindertech. Qu'est-ce que ça fait là? Examinez cet ordinateur. Ok. Waouh. Ça alors. Notre type du service technique développait des armes expérimentales. D'habitude, c'est le genre de truc qui me ferait peur, mais maintenant, je suis habituée. On dirait que ce labo travaillait sur un appareil appelé le laser atmosphérique. Moi, je dois faire quoi, là? J'ai téléchargé le schéma. Bah, tu dois déjà aller en bas. D'abord, il nous faut de la bleulite pour alimenter l'arme. Il devrait y en avoir dans le labo. Tu dois. Ouais, ensuite, il m'en fait peur, hein. Quelque chose me dit qu'on devrait préparer des munitions. Il y a deux manières de fabriquer des balles. Vous pouvez ouvrir votre inventaire et sélectionner les balles que vous voulez fabriquer. Ou vous pouvez maintenir la touche de rechargement de votre arme pour fabriquer automatiquement des balles. Fabriquons quelques balles. Un.
Des balles, rien que pour moi. Wow. Tout est prêt. J'ai marqué la cible sur votre carte. Tu dois sortir. Ok, sans l'aide des mini-top là, je serais perdu. T'as pas besoin de ce bruit. Je dois aller où? Sors juste. Tu dois juste aller où tu veux. Sors. Et tu vas vers là-bas. Là-bas. Vite, vite, vite. Vas-y, je suis en train d'aller. Appuie, file de Belto. Ah, tout ça pas encore. C'est quoi la bleue? Hein? La bleue. C'est une épée. Je peux aussi? Oui. Bon, sinon elle part toujours. Ben ça, je pense qu'elle va partir. Elle est un peu plus forte aussi. Bon, ben on va pas gaspiller. Voilà la cible. D'après les ordinateurs du labo, il faut placer l'atlas sur la cible, ajouter de la bleulite et attendre. J'allais où? Attends, ouais, voilà, je suis activé. Ok les gars, franchement c'est compliqué encore. Bien joué. Préparez-vous à une attaque par l'ouest. Construisez quelques renforts de base pour protéger l'Atlas. Ça va venir de petit. La tempête sera plus forte que celle que nous avons vue à la base. En vrai, tu construis ce que tu veux, t'as pas besoin d'essuyer. C'est mieux de construire. Il y a plusieurs façons de construire un fort. Vous pouvez modifier vos constructions pour ajouter des fenêtres et des portes ou changer leur forme. Le menu de construction permet aussi de placer des pièges. Si votre construction subit des dégâts, vous pouvez la réparer avec le même matériau. Mais ça va pas venir de derrière. Mais non, ça vient juste de là-bas. Ah bah t'aurais dû dire avant. Vas-y. Ah. Bah construis encore. Place des pièges. On va placer quoi les gars, on va faire comme ça. On va modifier. Comme ça. On va placer. Ah oui, t'as raison, tu les stops pendant 2 minutes. Non, là, après t'as moins d'XP pour les coffres. Mais mec, construire des défenses dans. Alors attendez. La grille, c'est laquelle? Beau travail. Ah voilà, j'ai compris. Mettez de la bleulite dans l'atlas. Ouvrez le panneau de mission quand vous voudrez commencer. Oh non, j'ai lancé ma grenade. Je pense que c'est derrière. Ouais. Alors là, je dois lancer l'objectif. Ouais. Il y a assez de bleulite. Les carcasses arrivent. Et pourquoi la température du noyau grimpe. Oh oh. Ça va aller. Pour le moment. Place tes pièges, je te conseille. Mais comment je place? Avec Y, on est en bas. Place-en encore. Merci d'être passé. Peut-être que... Ils ont contourné, ils ont... Dépêche. Toi, t'as très mal commencé. Réparer ses haches. T'as pas assez. T'as plus. Mais tes pièges là, ils sont nuls quoi. Mais oui. Attends, place ici les mêmes murs pour que ça les bloque sur tes pièges. Déjà que tu vas faire une défaite. Attention, attention! La place est attaquée! Place à pige ici! Oh
voilà les gars, je suis KO là. Hein. Je comprends rien de rien avec mes touches. Plaisant. Aussi ici. Comment on fait pour faire ça? Pour moi, il va se couper. Encore 30 secondes. Il se passe quelque chose, c'est certain. Plus question de reculer. Waouh, ok. Essaye d'en tuer le max que tu peux. Victoire les gars. Franchement c'est assez compliqué si je sais pas construire. Donc voilà. On a tout le temps le même nombre. Moi j'en ai plus, j'en avais 500 en quelque chose. Ok bah parce que t'as fait plus de kills. Ok, 80694 XP. J'espère qu'on gagne un beau coffre. Non, toi t'as gagné lequel? Celui-là. C'est carrément type. Ok, bah cool. Mais la prochaine est vraiment lente, j'ai pas encore réussi. C'est okay. Celle au camion. Ce qui paraît, Minitep, il a pas encore réussi la prochaine. Ok, on va ouvrir la récompense de mission. Bulletin de niveau 3. Donc, personne des survivants qui ont choisi de rejoindre votre base serveur va transformer les zéros et survivants. Ok, survivants, ça en connaît l'or. Ah, 38 d'or, excusez-moi, j'ai passé. On a 190 XP d'héros et on a ingrédients minerais de cuivre. Ingrédients de cuivre permet de créer de nombreuses armes de qualité en trouve dans les grottes, les montagnes et parfois dans les contes. Ok. Il en faut 8 ou 4 quand sur la fonte. Cet atlas nous donne un peu de répit. J'en ai 0. Tiens. Ok, après, avant et après. C'est une mise à jour de notre outil de collecte. On va ouvrir. Désormais, on a 200 balles. Normal. On a de cuivre, de sniper, auto, excusez-moi. Et on a des schémas de fléchettes. Mur à fléchettes. Marquage des points faibles. Infligez plus de dégâts aux objets avec votre pêche en visant leur point faible. Ok. Donc les gars, pour moi, ça va être tout pour cette vidéo. On va se retrouver donc pour la suite, peut-être en live ou peut-être dans une vidéo. Je pense que pour l'instant, on va rester en vidéo. Mais je sais pas. Donc les gars, likez tous, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un nouveau live les gars. Ciao.